J'ai rejoint Cagip en juin 2022 en tant qu'expert en cybersécurité. Et là, j'exerce la fonction du product owner identité et habilitation. Je réponds. C'est une fonction qui comporte à la fois un volet opérationnel, en étant le garant du delivery des projets identité et habilitation pour les clients et pour les collaborateurs Cagip. Et puis un volet stratégique qui consiste à définir la stratégie à moyen et long terme pour les projets identité et habilitation. En tant que product owner identité et habilitation, parmi mes responsabilités principales, c'est d'être proche en fait de nos clients. On est là pour recueillir le besoin, pour être à l'écoute aussi, et puis pour prioriser selon nos différents sujets, selon notre backlog aussi, les sujets qu'on traitera. D'être en relation avec les clients est très important pour moi. En plus de ça, je me sens très utile en fait dans le quotidien, avec les différentes responsabilités qu'on assure. Et c'est très important et valorisant pour moi. S'assure en fait que les accès des collaborateurs Cagip sont bien gérés, maîtrisés en toute sécurité, avec aussi des délais plutôt courts d'attribution d'accès ou de création de compte. Donc avec tous les projets qu'on mène sur ces sujets-là, on s'assure de la protection des données de nos clients et puis on s'assure aussi de la continuité des services bancaires. Je ne la refais pas. Le monde de l'IT connaît pas mal de changements. On est à la fois soumis à pas mal d'exigences réglementaires continues. On connaît des nouvelles tendances technologiques, l'intelligence artificielle, le machine learning. Donc la gestion des identités et des accès sera toujours en fait très importante et l'un des piliers majeurs de la cybersécurité au sein d'une entreprise. Je souhaite continuer à développer mon expertise de cybersécurité en m'orientant par exemple vers d'autres fonctions dans le domaine ou sur d'autres sujets aussi de la cybersécurité au sein du groupe Crédit Agricole. Qui n'hésite pas à postuler, à nous rejoindre. Cagip présente pas mal de perspectives d'évolution, des possibilités de mobilité, des expériences sur d'autres postes de cybersécurité. Donc sur la durée, il y aura pas mal d'opportunités à saisir. Nous avons aussi le support du management et leur appui pour développer notre expertise avec des formations, avec des participations dans des événements de veille de cybersécurité. Et puis aussi, on est des équipes, des passionnés, avec une bonne ambiance au sein de l'équipe, des after-work qui s'organisent, des rencontres, etc. En toute modestie, hein. On souligne. Non, mais...